Bonjour, bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien, est-ce que vous m'entendez? Donc on attend un petit peu que tout le monde soit là. Yes! Ça fait longtemps que j'étais pas sur YouTube, vous m'avez manqué. Donc moi je veux un max de likes, un max. Piou, 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 il faut que ça monte. Wouh! Salut, ça va? J'espère que tu vas bien. Bon, j'ai une grosse journée avec les Técaliens, c'était super, on a bien bossé ensemble et c'était super. Salut Jalil, salut Apoc, salut Nicolas, salut Leslie, salut Alexandre, yes, et Carlos, comment vas-tu? Canada, yes. Dites-moi, Carlos, tu habites dans quelle ville? Donc, moi je vois 11 likes, je suis pas content, je veux 100 likes, 200 likes, s'il vous plaît. Yes, merci Carlos, quel coaching génial. Salut Tammy, salut Alex, Axel, salut Leslie, Québec, excellent, Montréal, salut de France, salut Geoffrey, salut Yasmine, salut Walter, salut Alexandre, salut Nicolas, Montréal, il y en a beaucoup qui sont à Montréal là, hein, c'est super, on a une grosse communauté à Montréal. Alors, moi je vois pas beaucoup de likes, je suis un peu, salut tu pètes la forme comme toujours, merci Rémi. Salut Rachid, salut KZR. Waouh, il y en a beaucoup de Montréal, c'est excellent. Coulommiers, bon, ça fait moins sexy, je suis désolé Mohamed, ça fait moins sexy que Montréal, mais c'est sympa aussi. Hein. Allemagne, Algérie, Julien. Ouais, bah, séminaire à Montréal, dès que je peux, bah, tu organiseras ça. Tu me diras, ok, Tammy, je t'ai organisé un super séminaire devant 1000 personnes et je viendrai. Avec grand plaisir. Je suis de Paris, ton nouvel élève. Super. Bonjour, Missla. En tout cas, merci. Oui, je sais. Non, mais et j'adore le fromage de Colomiers, mais c'était juste pour te taquiner. Hein. Salut, Moumen de Marrakech. Alors, dites-moi où vous êtes actuellement. Donc, Paris, Tanger, Paris. Salut, Jérôme. C'était génial le webinaire, on est toujours passé super. Hey, c'est la journée Tammy, hein. Vous êtes avec moi du matin jusqu'au soir. Je ne vous lâche pas là. Hein. Ok, excellent. Nancy, Rabat, Bretagne, Rennes, excellent. J'adore Rennes, j'ai habité à Rennes une année. Philippe, salut. Wadi de Rabat, excellent. Tunisie, Sousse. Bonsoir Tammy, bonsoir Jean-Luc. Julien... Excellent, excellent, excellent! Yes! Moi, j'ai la pêche avec vous. Vous me donnez la pêche, je suis KO, mais j'ai la pêche. Bon, alors je vais revenir rapidement sur le sujet d'aujourd'hui. Ben justement, on parle de motivation. Comment rester motivé en permanence? Oui, oui, merci, un max de likes. 35 likes, c'est pas suffisant. Je veux 100 likes. Je veux 200 likes, je veux 1000 likes. Salut Mohamed, j'ai rêvé de toi. J'espère que ce n'était pas un cauchemar. Hein. Tu as bien rêvé de moi, tu as rêvé de moi en bien, en mal. Bon, je fais mes exercices de physique en direct. Excellent, salut Antoine. Super, ok, bah justement, le sujet d'aujourd'hui pose et porte sur la motivation. Comment être motivé en permanence? Alors, c'est une question qui m'est souvent posée. D'ailleurs, même mes étudiants, ils me disent, mais Tammy, comment tu fais? Tout à l'heure, ils me voyaient, j'ai fait un live bourse. C'était quasiment effectivement... Combien de temps ça a duré? Presque 10 heures, c'est ça, hein? Presque 10 heures. Et ils me voyaient motivé jusqu'à la fin. Ils me disaient, mais Tammy, comment tu fais? Pourquoi tu es toujours motivé? Et ils me disaient, comment tu fais pour finalement surmonter ta fatigue? Parce que je suis fatigué. Parce que quelque part, voilà, là je suis en train de faire un live, je suis mort de fatigue. Mais le truc, il est là et c'est super important. Voilà, fais une formation pour la motivation. Ce que je suis en train de vous faire, le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir une vision. Moi, je pense que le début, ça commence par la vision. Pourquoi je suis aussi motivé? Bah, c'est très simple. Je veux que la TKL soit numéro 1. Je veux que la formation de la TKL soit la meilleure au monde. Et au moins dans le monde francophone. Alors certaines personnes, ça va les faire rigoler, mais je m'en fiche. C'est ma vision. Vous pouvez ne pas la partager, peu importe. C'est ma vision. À partir de là, lorsque vous avez une vision qui est super importante, et je vais répondre à ta question juste après,
quand vous avez une vision qui est aussi importante, à un certain moment, il faut également assumer, prendre ses responsabilités. Je veux réussir, je veux y arriver, tout à fait. Ishraq, il m'a dit, pourquoi tu aimes ce que tu fais? Ben justement, je sais que ce que je fais apporte énormément de valeur. Regardez, moi je suis en train de donner une conférence sur YouTube. Vous n'êtes pas nombreux parce qu'on n'a pas envoyé de mail et donc c'est un truc que je fais comme ça. Voilà, à l'arrache, je viens, je donne un live sur YouTube. C'est génial. Et puis, il y a des personnes qui me disent « Ouais, c'est super, Tammy, tu me motives, tu m'apportes de la pêche, tu me pousses à sortir de ma zone de confort. » Et c'est ça ce que j'ai envie de vous dire, c'est que derrière, j'ai un retour qui est énorme. Les personnes qui me suivent, les personnes que je motive, les personnes à qui je permets effectivement de changer de vie, de devenir une meilleure version d'elles-mêmes, de réaliser des choses incroyables, ben elles me le rendent au centuple. C'est-à-dire, je reçois tous les jours des témoignages qui sont énormes. Mais donc, on commence par la vision. D'abord, la vision, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire? Et puis, bien évidemment, je veux avoir une vision qui est hyper ambitieuse. Alors, bien évidemment, certaines personnes, tout à fait, c'est super, bravo, 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 j'adore. Vous avez la pêche. Olivier, à la fin, je répondrai à vos questions. D'abord, je développe mon truc et après, je répondrai à vos questions. Donc, on est bien d'accord que quand vous apportez énormément aux autres et que vous recevez, ben c'est un cercle vertueux. Je vous apporte, vous m'apportez, je vous apporte, vous m'apportez, je vous apporte, vous m'apportez, je vous apporte. Et à un certain moment, c'est bouh ! Vous voyez ce que je veux dire ? On explose. Et c'est ça le truc, c'est que est-ce que si je n'avais pas ce retour positif de la part de ceux qui me suivent, est-ce que je n'aurais pas fait la même chose ? Probablement. Mais comme j'ai un retour qui est super positif, c'est clair que ça me motive, ça me pousse à aller de l'avant et ça me pousse à faire des belles choses. Donc, la réussite, ça commence par une vision, d'abord, envisager les choses en grand, se dire quelle est ma passion, qu'est-ce qui me détermine, qu'est-ce qui me permet de m'épanouir, qu'est-ce qui me permet effectivement de me réaliser. Donc, premièrement, on commence par ça. D'accord, on commence par la vision. Et cette vision, elle doit être méga super ambitieuse. Moi, je vous ai dit, mon ambition, c'est de faire la TKL le numéro 1 incontesté dans le domaine de la finance, la liberté financière, etc. Parce que ce sont des domaines, mais super importants. On va vivre de plus en plus vieux et beaucoup de personnes ne connaissent rien et ne comprennent rien à la liberté financière. Donc, l'objectif, c'est justement de les aider à sortir de cette situation. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point, une fois que vous avez déterminé votre vision, c'est tous les matins, vous devez être déterminé. Vous devez être méga, super déterminé. Je m'explique. Ce que vous faites au quotidien déterminera votre avenir. Si tous les jours, vous ne faites pas grand-chose, votre avenir, ce sera zéro. Mais si tous les jours, vous avez un objectif précis, vous avez des tâches précises et bien évidemment ces tâches et ces objectifs collent à votre vision, vous allez attendre effectivement, vous allez faire des réalisations qui sont incroyables. D'accord ? Faire des réalisations qui sont incroyables. Donc le deuxième point qui est très important, c'est vraiment se lever avec un objectif bien défini. D'accord ? Un objectif bien défini. Et troisième point, et encore après je répondrai à vos questions, troisième point, faire la fête quand on a réalisé ses objectifs. Ça veut dire celebrate. Ça veut dire quoi ? Beaucoup de personnes, elles réalisent de beaux objectifs et qu'est-ce qui se passe ? Elles se disent, ouais, c'est sympa, mais elles ne prennent pas le temps de savourer leur victoire. Je vous donne un exemple. Quand j'ai réussi l'agrégation, moi, j'étais psychologiquement, je n'étais pas bien à l'époque, etc. Et j'ai réussi l'agrégation et je me disais, ouais, c'est sympa. Mais en fait, c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi célébrer ses exploits, c'est important? Parce que quelque part, c'est déjà se dire, voilà ce que j'ai fait. Et c'est une manière de se motiver pour atteindre sa vision. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, tous les matins, je ne suis pas là à me dire, je suis nul, j'ai pas fait mes trucs. Non, je suis là à me motiver en permanence.
Encore une fois, c'est pas ce que je vous dis, c'est super important. C'est-à-dire que si vous ne vous motivez pas en permanence, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est pas les autres qui vont le faire pour vous. Voilà, c'est croire en soi. Est-ce que les autres vont vous dire c'est super ce que tu fais? Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai fait la TKL, quand j'ai commencé la TKL, beaucoup de mes amis me disaient, mais pourquoi et est-ce que c'est intéressant? Et tu as l'agrégation d'économie, tu es trophée d'or de l'analyse technique, tu as écrit des bouquins, pourquoi tu te casses la tête à écrire ou à créer une école? Donc beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Mais c'est ça le truc, c'est est-ce que les autres vont célébrer à votre place ou est-ce que c'est à vous de célébrer? C'est-à-dire à vous de vous dire, c'est super, j'ai réalisé tel truc. Maintenant, il y a un autre objectif, je vais le réaliser. Et après, il y a un autre troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Le fait de célébrer, quelque part, ça va vous motiver. C'est de l'automotivation, d'accord? Donc, je répète, premièrement, vision, vision. Avoir une vision super, hyper ambitieuse. Bien évidemment, tout le monde n'aura pas cette vision, mais on s'en fiche. Personne, beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec votre vision. Par exemple, je vous ai dit, je veux devenir numéro 1. Beaucoup de personnes vont me dire, oh, 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 mais pourquoi pas? Oui, mais je m'en fiche. Moi, le plus important pour moi, c'est quoi? C'est que je suis en train de réaliser cette vision. C'est que je bosse comme un malade. C'est que je fournis énormément d'efforts. Donc, le fait qu'une personne pense ce qu'elle veut de moi, j'en ai rien à faire. Parce que ce n'est pas grâce à elle que j'ai réussi. C'est tous les matins, je réussis, je suis à fond la caisse, je bosse, je donne le maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est cet état d'esprit qui explique ma réussite actuelle. Si effectivement j'avais eu un état d'esprit qui consistait à dire « j'ai pas de vision, je veux que la TKL soit médiocre. Le matin, je me réveille, je suis tranquille. Non, non, dès que je me réveille, j'ai la pêche. Dès que je me réveille, j'ai envie de bouffer, j'ai envie de donner le max. » Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est cette détermination qui permet justement à la TKL d'être au top. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de secret. Ok pour tout le monde? Merci. À présent, j'ai quelques questions auxquelles je vais répondre. Alors, bonsoir. Comment fait-on de l'argent en envoyant des mails de publicité aux personnes? Mais ça, c'est du business. Comment fait-on pour envoyer de l'argent? C'est pas une bonne question. Merci Régie. Désolé, hein, graine de millionnaire. Salut Tammy, super boulot. J'aurais voulu savoir si tu proposes une formation dédiée au trading. Oui, on a une super formation dédiée au trading. Est-ce que vous avez des questions? Merci Joseph. Est-ce que vous avez aimé? Moi, je veux un max de likes. Je vois 66 likes, c'est pas beaucoup. Hein. On veut plus, 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 plus. Parfait. Alors, est-ce que vous avez des questions? Une formation que nous recevons à HSBC, être au top. Excellent. Tu es HSBC, Mohamed. C'est une formation sur la motivation. Quel est ton livre préféré? Alors, il y en a plein. C'est une bonne question, mais il y en a plein, 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 plein. Ça dépend quel domaine. Salut Rémi. Au taquet, comment tu crées ton équipe? Waouh, ça va vite. Comment trouver ta chaîne? Vous pensez quoi de HEC Montréal? C'est une bonne école. Comment s'inscrire à ta formation? Je suis en terminale S. Bah, tu nous contactes, on a le site, d'accord? Donc, tu peux y aller et puis, bien évidemment, tu as toutes les informations. Une ou deux phrases récapitulatives, ton livre préféré, waouh. Comment peut-on vivre à Dubaï sans diplôme? Bah, il faut trouver un boulot pour Dubaï, d'accord? Donc, c'est vraiment un process particulier. C'est une bonne question. À la rigueur, posez-la moi dans la partie Ask Tammy, d'accord? J'essaierai de répondre à ces questions par la suite. Ensuite, combien de temps dure une formation? Ça dépend, ça peut durer effectivement 12 mois. Peut-on faire du mailing en France? Oui, on peut faire. Shorter les actions US? Bah, il faut tout simplement un bon courtier, c'est possible. Un livre sympa, les vertus de l'échec. Bonjour professeur, pourrais-tu faire une vidéo simple de quelques minutes sur les purs novices à la bourse? Ok, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faudrait me la poser dans la partie Ask Tammy, avec grand plaisir. Ou as-tu acheté des lunettes chez un opticien juste à côté? Je ne sais pas si vous les aimez, mais je m'en fiche. Veux-tu me former à la bourse? Je n'y connais rien. Bah écoute, il y a quand même beaucoup de vidéos. Hein, donc si tu n'y connais rien, regarde mes vidéos, abonne-toi à notre chaîne YouTube, d'accord? Et à notre newsletter. Une formation sur la motivation. Oui, on est en train de préparer une formation, une grosse formation sur la motivation. Est-ce qu'on doit parler arabe pour vivre à Dubaï? Non, mais anglais, ce serait bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent en anglais à Dubaï. Vos lunettes sont cotées au CAC 40, non, mais bon, pourquoi pas, hein? Je vais faire des enchères sur mes lunettes. Combien de formations tu proposes? On propose pas mal de choses. Le mieux, c'est d'aller sur notre site internet.
En un an, avec formation, est-ce que je pourrais être libre financièrement avec 100 000 euros? Je pense qu'avec 100 000 euros et avec notre formation, tu apprendras au sein de cette formation ce que tu n'apprendras nulle part ailleurs. Après, bien évidemment, ça ne dépendra pas que de nous. J'ai vu ta formation, quand est-ce que la même formation, j'en sais rien. Allez sur le site de la TKL, tout à fait. Le site de la TKL, et puis vous nous écrivez info@tkltrading.com. Trading live bientôt. Bon, encore une fois, voilà, j'en ai mis pas mal et j'essaierai effectivement de le faire assez rapidement. Comment garder la motivation et être toujours proactif sur plusieurs mois? Suivez mon exemple, Bilal, hein. Est-ce que je suis motivé? Est-ce que je suis tout le temps motivé? Donc voilà, arrêtez de se poser des questions. Voilà, faut se reposer. Non! Faut pas se reposer! Faut avoir la pêche! C'est normal que les vidéos de la formation trading datent de 2013. Oui, parce que c'était les premières vidéos, mais bon, on a beaucoup enrichi par la suite. Faut regarder Tammy, oui. Comment se motiver après une perte en bourse? Eh ben, il faut pas que ce soit la fin. Il faut pas se dire c'est la fin du monde. Non, une perte, ça fait partie du process. Donc, comment se motiver? Il faut les accepter dès le départ, les pertes. OK? Quel est le niveau d'études requis pour profiter un max de votre formation? Il n'y a pas de niveau requis. D'accord? Il faut juste être motivé. Peut-on être bon sur le forex à 16 ans? Oui. Le burn-out, on n'y pense pas. Non, il ne faut pas y penser. Conseilles-tu le forex pour un débutant? Ça dépend avec qui. Il ne faut pas travailler sur les CFD, ça c'est mon avis. Privilégie-tu les nids haussiers sur l'or? Ouais, pas haussier, mais bon voilà, on en a parlé aujourd'hui sur TKL Bourse. On a dit pas mal de choses. Merci Mohamed, c'est super sympa. Pourrais-tu conseiller? Je vous ai envoyé une lettre Bon, on reçoit et j'ai 90 000 mails en attente, juste pour info. Peux-tu faire une vidéo sur la bourse pour les purs novices? Oui, il faut nous écrire. Écrivez-nous. Il faut un objectif à long terme pour être motivé sans avoir de résultats. Il faut un objectif à long terme, oui. Désolé, ça va vite, hein. Coucou Tammy, heureux de te voir. Moi aussi, je suis heureux de te voir. Allez-vous au salon du trading? Non, malheureusement. André m'a invité, mais bon, voilà, j'ai beaucoup de boulot et c'est impossible. Les étudiants pourront confirmer. Privilégies-tu les notes de l'école ou l'enrichissement personnel? Ben, les deux, hein, si possible, hein. Si tu as de bonnes notes et si tu t'enrichis, ben, c'est super. L'université de Genève. Ben, écoute, si j'ai le temps, parce que voilà, je suis invité à Montréal, partout. Avec plaisir. Mais voilà, les femmes à Dubaï sont belles. Oui, elles sont très, 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 très belles. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Je suis marié. Attention, ma femme, elle est à côté de moi. Elle va être jalouse. Tu fais du bon boulot. Merci, William. Axel, est-ce que tu vas faire une vidéo sur ta... Alors, je vais... C'est une très bonne question. J'ai plusieurs vidéos, j'ai tourné plusieurs vidéos et bien évidemment, j'essaierai de vous faire un petit live. Profitez de votre formation maximum. Vaut-il avoir 50%? Franchement, non. Parce que... Mais encore une fois, les cours, par exemple, là, je les donne le dimanche. Et puis, bien évidemment, vous pouvez travailler le week-end. Donc voilà, ça vraiment, j'ai touché la mort du doigt. Merci François. Oui, c'est super. Et puis encore une fois, la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire que j'aurais pu mourir, j'aurais pu laisser ma peau. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, on n'est rien, on n'est rien. D'accord? Donc à un certain moment, il faut se donner au max. Il faut faire des belles choses. Il faut se réaliser. Est-ce que la TKL LFA existera dans quelques années? J'espère, mais j'en n'en sais rien. Comment vas-tu mettre le modèle business en vente? Sans doute. L'art du trading est un chef-d'œuvre. Merci. Hey, ça fait plaisir. Salut Tammy, j'arrive au chapitre 4 des trading. C'est super, j'espère que tu aimes. Comment utiliser les probas en trading? Bonne question. Très, très, très bonne question. Qui demanderait une longue vidéo. Donc, je ne peux pas y répondre. Comment éviter la manipulation sur les. La manipulation, comment tu l'évites? Ben, premièrement, il faut quand même des volumes et il faut quand même un directionnel. C'est ça ce que moi, j'essaie de travailler. Coucou Myriam, je suis belge. Quelles études faire pour être trader? Ben, tu fais la meilleure école. Tu vois la meilleure école en Belgique, en Belge. Ouh, il est fatigué, Tammy, hein? Tu fais la meilleure école en Belgique. Et tu, effectivement, la suis. Combien tu gagnes par mois? Je gagne pas mal, pas mal. Mais encore une fois, voilà, c'est polémique. Merci de me créer des ennuis, hein. Il y a des personnes qui vont dire, ouais, Tammy, regarde. Non, voilà, c'est pas ça le plus important, c'est pas l'argent. Encore une fois, l'argent, c'est bien, c'est un plus. Ça permet de se libérer, ça permet d'aider les gens autour de nous. Non, l'argent, c'est super important. Mais c'est pas la finalité, ça doit jamais être la finalité. OK? Je suis pressé de vous voir. Les séminaires. Oui, alors, séminaire. Il y a un séminaire à Dubaï. Pour les autres, pour le reste, je ne suis pas sûr d'aller à Genève ni à Montréal, hein. Attention, hein. Quel est le capital nécessaire pour se lancer en bourse? Ça dépend, mais on peut commencer avec 1 000 euros, hein. Après, bien évidemment, il faut mettre de l'argent de côté, il faut épargner, il faut placer de l'argent.
un max de likes, merci. Tout à fait Mohamed, l'argent c'est un moyen et c'est un moyen extraordinaire. Ça peut nous permettre de faire des choses extraordinaires, mais c'est certainement pas la finalité. Ok, moi je fais pas tout ce que je fais pour gagner de l'argent. Aujourd'hui je suis libre financièrement, j'ai même pas besoin de bosser. Je le dis pas pour me vanter, je m'en fiche. Mais c'est la vérité. Donc à un certain moment, est-ce que c'est l'argent qui me fait bouger? Non, c'est ce que je suis en train de faire, ça me plaît. D'accord, je veux faire des choses énormes. Et c'est ce qui me fait bouger. Si c'était l'argent, je ne serais pas aussi motivé que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne serais pas comme ça. Je serais différent. Ok, bah tu dois bosser beaucoup plus et avoir de super bonnes notes. Ok, bah, le séminaire à Dubaï, il sera ouvert au nom TKLien, mais ça coûtera plus cher. Ok, voilà, ça sera. Et ça dépend, est-ce que c'est pour toi? Ou est-ce que, parce que toi, tu es TKLien, si c'est pour toi, si tu peux amener quelqu'un avec toi, ça, ce sera au même prix, ok? Alors, le trading, oui, mais là, ces derniers temps, pas beaucoup, parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment au taquet et en bourse, bien évidemment, pas mal. Les processus pour les classes préparatoires, ben, me conseillerais-tu de faire des études à l'étranger en économie pour recevoir? Ben, ça dépend de toi, hein. Comment devenir libre financièrement à 17 ans? Tu investis en bourse, tu crées un business et tu as la niaque et tu deviendras libre financièrement. Investir dans l'immobilier à 50 ans, il n'y a pas d'âge, mais encore une fois, c'est quelle est ta stratégie? C'est ça le truc. Quelle est ta stratégie? Pourquoi tu veux investir dans l'immobilier? Quel est ton objectif? Tu vois, pose-toi ces questions. Tu me poses une question, je ne te connais pas, je ne sais pas quel est ton parcours. Tu vois ce que je veux dire? Pose-toi les bonnes questions. Le trading dans la formation prend combien d'heures par jour? Ça dépend si tu travailles sur les US, 2 heures par jour. Est-ce que tu connais Anil Mangal? Qu'en penses-tu? Non, je ne le connais pas, je suis désolé. Quel taux de rentabilité par mois en trading est un objectif raisonnable? 5%, 10%. Est-ce qu'il y a des présélections pour intégrer? Non. Peut-on se former qu'avec des livres? Oui et non. C'est-à-dire, regardez le rapport qu'on a ensemble. D'accord? Est-ce qu'un livre, il va vous apporter cette énergie? Est-ce qu'un livre va vous apporter la motivation? Est-ce qu'un livre va vous apporter la rage de gagner? Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est ça l'avantage d'une formation. C'est que vous avez quelqu'un qui est méga motivé, qui va vous répondre, qui va vous coacher, qui va vous apporter la niaque. Un livre, ça reste un bouquin, c'est froid. Maintenant, c'est un bon début. Il faut, si vous voulez commencer par quelque chose, commencez par lire des livres. Mais bien évidemment, après, l'idée, c'est quand même de trouver des bons dans leur domaine. Moi, je suis parti à Kuala Lumpur. J'ai suivi une formation, j'ai adoré, ça m'a apporté énormément de motivation. Vous voyez ce que je veux dire? Je me forme énormément et ça me permet de booster et de devenir meilleur. Donc, c'est important de suivre des formations. Ok? Bon, on a atteint 100 likes. Yes! Merci les amis! C'est super! Est-ce que vous avez d'autres questions? Et ensuite, je vous libère. En tout cas, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un YouTube live, c'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais revenir sur YouTube. J'ai eu beaucoup de soucis avec YouTube. Que penses-tu de l'avenir des banques? Bah, je pense que les banques, elles auront chaud avec les fintechs, tout à fait. Comment s'appelle la formation dédiée au trading? TKL Trader. Yes. Oui, des likes. Faut-il zapper ses études pour atteindre? Non, Valentin, je pense que les études, ça reste une sécurité. Maintenant, ce ne sont pas les études qui vont te permettre de devenir riche. Ce ne sont pas les études qui vont te permettre de devenir libre financièrement, mais ça va t'apporter une ouverture d'esprit. Moi, j'ai plein de diplômes. Ce ne sont pas les diplômes qui m'ont permis de devenir riche, mais les diplômes ont apporté une ouverture d'esprit. Et aujourd'hui, si bien évidemment je suis capable de créer la TKL, si je suis capable de créer tout ça, c'est parce que derrière, j'ai quand même un gros bagage intellectuel et j'ai fait de bonnes études. D'accord? Donc, les études, c'est super important. Et on est au 21e siècle. N'oubliez pas, le 21e siècle, c'est le siècle de la connaissance. Au 21e siècle, ceux qui vont cartonner, ce ne sont pas des autodidactes. Zuckerberg, vous voyez ce que je veux dire? Tous les gars, c'est des bons dans leur domaine. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire à la TKL? Oui, et franchement, je vous recommande de vous inscrire. Suffit-elle pour donner un... J'ai de bonnes idées de business, mais j'ai difficile à commencer. Eh bien, écoute, commence. 2 minutes sur l'or. Merci de ta réponse. Connais-tu? Waouh, ça va vite, hein. Quelles sont les disciplines qui nous permettent de nous former à l'analyse fondamentale? Ben, l'analyse financière, l'économie, etc. Le CFA, est-ce que les magies bougent comme des fractales? Oui. 60 ans, le nouveau 40 ans? Oui. Aujourd'hui, on va vivre, beaucoup de personnes vont vivre jusqu'à 100 ans. Jusqu'à 100 ans. Donc aujourd'hui, 60 ans, on a encore 40 ans devant nous. Il faut réfléchir différemment. Surtout que
les retraites ne seront pas assurées par l'État. Apprend-on le trading du Taota? Ouh, ça va vite, hein. Peut-on trader en indépendant dans n'importe quelle ville du monde? Oui. Y a-t-il un risque de crack systémique en Europe si Le Pen? Moi, j'y crois pas. Je pense pas au crack systémique. Et je me dis que si Le Pen l'emporte, et alors? Ça va pas être dramatique, d'accord? Il faut pas paniquer, il faut pas se dire... De toutes les manières, il y a des réalités économiques. Et Le Pen, voilà, elle peut dire ce qu'elle veut. C'est une femme politique. Donc, quand elle arrivera au pouvoir, tout ce qu'elle disait, elle va le changer. Mais ça, c'est la politique. L'or, moi encore une fois, l'or, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en 2012, j'étais baissier sur l'or. 2013, j'étais baissier sur l'or. 2014, j'étais baissier sur l'or. J'avais fait une vidéo dans laquelle je disais, pour repasser haussier sur l'or, 1400. Est-ce qu'on a cassé les 1400? Je vous pose la question. Est-ce qu'on a cassé les 1400? Donc moi, encore une fois, là, pour l'instant, l'or, il fait rien. Bien évidemment, c'est intéressant. Ça commence à repartir à la hausse. Ça pourrait être intéressant si on a un phénomène de panique en Europe. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'exclus, d'accord, comme scénario. Mais, encore une fois, le gros niveau pour moi, ça va être 1350-1400, ok? Est-ce qu'il est préférable d'être analyste financier pour le trading? Non. Quel cursus faut-il faire après le bac avec des notes moyennes? Bah, tu fais ce que tu... Encore une fois, c'est une bonne question, hein? Très bonne question. Apprend-on le trading du Taota? Existe-t-il? Oui, on peut effectivement faire des études, d'accord, notamment Polytechnique, Harvard, HEC. Et puis, bien évidemment, ce ne sont pas les études qui vont nécessairement faire de vous un bon trader, ok? Quelle est ta plus grosse perte? Je pense 9000 ou 10 000 euros, quelque chose comme ça. Bitcoin ou crypto-monnaie? La formation de la TKL suffit-elle? Ben, je pense que la formation de la TKL, c'est l'une des plus solides. Donc oui, elle suffit amplement. Peut-on trader en indépendant? Oui, j'ai déjà répondu. Peut-on apprendre la discipline en trading? Oui, on peut l'apprendre, mais après, c'est est-ce que vous serez discipliné? Ok. Que penses-tu du CFA? Écoute, moi, j'en pense rien. Pourquoi j'en pense rien? Parce que pour moi, c'est un diplôme qui est sympa, mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gérants de portefeuille seront inutiles. Je pense qu'aujourd'hui, on peut effectivement gérer son argent soi-même. Maintenant, c'est une formation. C'est-à-dire, Mohamed, si toi, tu te dis le CFA, j'en ai besoin ou ça va me permettre de m'ouvrir des portes, pourquoi pas? Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Mais ça dépend quel est ton objectif de carrière. D'accord? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça le plus important. Est-ce qu'il faut investir sur le Bitcoin? Oui, mais pas de manière agressive. Vous avez vu que ça a bien baissé. Donc encore une fois, attention à ne pas tomber dans le problème, dans le piège des comportements moutonniers. Un bon courtier, Interactive Broker. Ok, c'est génial. C'est génial. 115. Hey, je veux plus de likes, s'il vous plaît. Je veux plus de likes. Je suis actuellement à la formation TKL. Je peux vous dire qu'elle est excellente. Merci, Layla. Et après, tu me fais un témoignage, Layla. Hein. Tu me dis, c'est super excellent. Et pourquoi? Et Layla, c'est bien parce qu'elle fait un MBA. Et elle fait en plus le programme TKL LFA. Donc, elle est super motivée. Pourrais-tu faire un tuto sur Interactive Broker? J'essaierai. Salut Tammy, quelles sont les disponibilités pour qu'on se prend un verre de thé? Ben écoute, j'ai pas de disponibilité. Mais... Désolé, hein. Je reçois plein d'invitations. Donc, voilà, je suis pas ouvert. Mais je suis ouvert sur YouTube. Putain, plus d'infos sur la TKL. Merci François. Excellent. Un verre de thé MDR. Comment est-ce que... Déjà, il faut que je trouve une minute pour moi. Hein. Non, mais il faudrait que je trouve... Bon, pourquoi pas. Quel âge faut commencer? Ben, n'importe quel âge, il n'y a pas d'âge, d'accord? C'est à vous de commencer. Comptes-tu faire de nouvelles formations? Oui, mais il y en a déjà, Félix. Un avis sur Pay2Click, à quel âge tu l'as? Comment comprendre les programmes de trading? Je ne comprends pas la question. T'as mis l'immobilier, ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. D'ailleurs, je suis investi dans l'immobilier, mais ce n'est pas mon point... essentiel, d'accord? Mais c'est intéressant. C'est quelque chose, effectivement, moi j'ai des investissements immobiliers. Faut-il privilégier les notes? Je l'ai déjà répondu. On attend Hedge Fund TKL pour investir. Pourquoi pas? Et c'est une très très bonne chose. Déjà, je suis en train de bosser sur pas mal de choses. Je vous dirai par la suite. Je ne peux pas tout vous livrer aujourd'hui. Je ne peux pas tout vous livrer aujourd'hui. Guinée, Tommy, nanana. Waouh, il y a plein de questions. Peuvent-ils gagner avec le trading algorithmique? Non. Les particuliers, non. Est-ce que j'utilise Bloomberg? Non, je ne l'utilise pas, ce n'est pas utile et ça coûte cher. Mais encore une fois, voilà, chacun son truc, ça ne sert à rien.
Comment trouves-tu les graphiques d'Interactive Broker? Pas super, c'est pas le logiciel que j'utilise pour faire mes analyses. Est-ce que l'ESSEC est une bonne école? Oui, c'est une très bonne école. Vas-tu ouvrir une salle de marché? Oui, alors c'est un projet sur lequel effectivement je suis en train de travailler et c'est quelque chose que j'envisage sérieusement. Maintenant, bien évidemment, je trouve les bonnes personnes. D'accord? Je suis en train de trouver les bonnes personnes. Thomas, t'as suivi. Alors Thomas, j'ai pas vu devenir millionnaire à 20 ans grâce au Forex. J'ai 16 ans. Grâce au Forex, non. As-tu des actions dans des grosses sociétés? Non. Dans des sociétés moyennes, petites sociétés. J'ai aimé ton interview avec Olivier Seban. Super, merci. Je suis TKLFA. Excellent. EST. Le pourcentage de risque idéal sur chaque trade. Ça dépend. Vous êtes trop beau, je ne vous présenterai pas ma femme. Bah, merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Bon, encore le courage de faire un live. Oui, courage, la pêche. Mounir, les énergies renouvelables, vous en pensez quoi? Je pense que c'est super. Maintenant, bien évidemment, il y a ces phénomènes de mode. Attention aux phénomènes de mode. Ok, combien de capital pour bien vivre grâce au trading à Dubaï? Je pense 100 000 euros, 200 000 euros. Est-ce que vous êtes du Qatar? Non, je ne suis pas du Qatar. En vrai, t'es homo? Non, je ne suis pas homo, mais voilà, avec tout le respect que j'ai pour les homos. Qu'est-ce qu'un pipe? Bon, je ne sais pas. On peut t'envoyer du lourd sur certaines opportunités. Ok, tu parles bien d'immobilier, hein? Je viens de souscrire à la formation TKL. J'aimerais par la suite faire une formation à Dubaï. Ben, bien évidemment, avec grand plaisir. Quelques minutes quand on Rex, ok, l'alchimie de la finance, c'est un bon livre. Oui, c'est un bon livre de George Soros, mais voilà, c'est vraiment l'analyse fondamentale, mais c'est vraiment intéressant. Utilise la formule de Kelly pour le money management d'une certaine manière, d'accord, mais pas strictement. Que penses-tu de Tai Lopez? Je pense que c'est super ce qu'il fait. Vous avez eu le bac, plus combien? Plus je compte pas ce que j'ai eu après le bac. Qu'en est-il d'Abu Dhabi pour le business? Je pense que Dubaï c'est mieux. La différence entre Cédric Anissette, c'est un truc perso, hein, je pense. D'accord? Qu'est-ce qu'un pipe? Vous voyez ce que je veux dire? Gary, ouais, j'aime bien Gary. J'aime bien Gary. Patrice Carceron, est-ce que je connais Patrice Carceron? Non, je ne le connais pas. Non, bien sûr, je le connais. Qu'est-ce que le trading? Vous êtes la formation. Peut-on suivre ta formation en même temps? Oui. Mais je ne le conseille pas trop. En même temps qu'une prépa, ça va être chaud. OK? Super. Attends, alors vous avez... Comment tenez-vous votre motivation au top alors que vous avez déjà atteint la réussite? Ben justement, c'est ça. C'est que si je devais me contenter de ce que j'avais déjà fait, je ne ferais rien aujourd'hui. Mais en fait, je considère que ce que je fais, c'est une mission. C'est-à-dire que ça apporte énormément aux autres. Donc, changer des vies, motiver les gens, coacher les gens, leur apporter mon énergie, ma motivation, ben ça m'apporte également. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment réciproque. Ce que j'apporte, je le reçois. D'accord? Donc, j'apporte la motivation. Regardez aujourd'hui, regardez les gens. Alors, bien évidemment, il y a des, entre guillemets, des abrutis et des connards. Mais bon, voilà, les abrutis et les connards, il y en a toujours. Désolé, hein, mais. Mais on s'en fiche de ces abrutis, de ces connards, parce que ce n'est pas eux qui sont les plus importants, c'est tous les gars qui sont géniaux et qui nous suivent. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Hakim QLLR, la différence entre la formation de Cédric Anissette et TKLFA. J'ai pas suivi la formation de Cédric Anissette. J'ai rien, je le connais pas personnellement. Mais bon, voilà, je pense qu'effectivement c'est quelque chose de perso. Connaître lui, me connaître moi, vous voyez ce que je veux dire? C'est les goûts et les couleurs. Est-ce qu'on peut comparer? Voilà, c'est comme si on prenait deux joueurs de foot. Les comparer, c'est impossible. Il y a certaines personnes qui vont aimer un joueur de foot, d'autres personnes qui vont aimer un autre joueur de foot. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est vraiment quelque chose de personnel. Alright? Quelles études afin de faire? Bah, économie. Lors de la formation, doit-on commencer à trader? Non. Qualitative comme vous pour changer. Hein? Waouh, ça va vite, hein, ça va vite. Forex, donc quoi investir en bourse? Alors, il y a un gros cours sur la bourse qui est génial.
Voilà, avec la formation TKL LFA, on n'a besoin de rien d'autre. Merci Laïla. Cédric est plus sur l'immobilier. Tu as dit qu'il faut miser 20 pips en 1. Ça, c'est plus effectivement. Merci Hakim. Future action, quand est-ce qu'il y aura prochain Master TKL? On est en train de penser à tout ça. Qu'il est possible de faire et de, non, comment faire en espérant avoir répondu. Ok, super. T'as Mathieu, mais t'as pris ta. Ok. Est-ce que vous avez une autre super question? Parce que je pense que je vais vous dire. Excellente soirée. Donc, déjà, est-ce que vous avez aimé ce live? Est-ce que vous avez aimé ce live? Oui, j'ai investi à Dubaï. J'ai plusieurs investissements à Dubaï. Merci. Ressens-tu le besoin d'avoir toujours. Alors, c'est passé très, très vite. Hein. Ok, super. Et il y aura une partie, posez-moi vos questions. Ask Tammy. Un peu comme Ask Gary V, c'était super. Donc, Ask Tammy, posez-moi vos questions. Et comme ça, effectivement, j'essaierai d'y répondre. D'accord? À quand le live performance au Stade de France? Bientôt. Yes! Merci infiniment. 142 likes. Bon, allez, 150 likes. On monte. On monte à 150 likes. Bon, en tout cas, merci infiniment. C'était génial. J'espère que vous avez aimé ce live. Je vais essayer d'en programmer à l'avenir. Bien évidemment, c'est pas évident. Ça demande du temps, mais voilà. J'espère que cette chaîne, elle va monter en puissance. J'essaie de vous apporter un max. J'essaie d'apporter de la valeur à un maximum de personnes. Et puis, bien évidemment, je suis très, très content parce que, voilà, on a des gens de plus en plus motivés, des gens qui ont la pêche, des gens qui nous disent « Yes, yes, love, 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 love ». C'est magnifique. Merci infiniment, les amis. Est-ce que vous avez des rituels? Oui, j'ai des rituels. Mais encore une fois, le principe, il est le suivant. Ce que j'ai expliqué, vision. Le matin, être déterminé. Donc, c'est ça, c'est se répéter les mêmes choses. Et puis, célébrer. C'est ça le truc. C'est se dire, quand j'ai réussi quelque chose, se dire « Yes, j'ai réussi. Ouais, c'est top. » Vous voyez ce que je veux dire? Se motiver en permanence. Ok? Non, je ne joue pas à FIFA 2017. Merci les amis. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre motivation et à très bientôt.